Seigneur, on vous a agressé? Satané bandit, qu'elle brûle tous en enfer. Vous ne savez pas à qui je peux vendre ou acheter des objets? Les gens sont venus ici seulement avec ce qu'ils pouvaient emporter. Mais je pense que Votava, le gardien de l'étang, est le seul dont les affaires n'ont pas été interrompues par Sigismund. Je l'ai vu près de la grange. Vous ne pouvez pas le louper. Il est aussi maigre qu'une crêpe. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Qu'est-ce qu'il vous faut? Que Dieu vous bénisse. Qui va là? Qui est là?
On dirait qu'ils sont déjà partis. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici ? Qu'est-ce que c'est ? J'aurais tout vu. Un porc qui va de son plein gré à la... Viens par ici, bleu. Oh Jésus, c'est le charbonnier.
Comment peut-on faire une telle chose? Qu'est-ce que ces pauvres âmes leur ont fait? C'est vivre, c'est ça?
Les prières sont exaucées. Je voulais passer mes nerfs sur quelqu'un, justement. Le Bali. Il ne s'est pas enfui comme moi. Il est mort l'épée à la main. Vous l'avez soutenu, et voilà comment il vous a remercié. Au final, vous êtes mort en héros. Vous n'avez pas fui, vous ne les avez pas abandonnés. Pas comme moi. Pourquoi t'as fait ça, papa? Pourquoi? Pourquoi tu m'as abandonné? Pardonnez-moi. Pardonnez-moi pour tout. Je ne fuirai plus. Je ne me défilerai plus jamais. Je vais retrouver celui qui vous a fait ça. Je me souviens de son visage. Je le retrouverai. Mais d'abord, je dois trouver une pelle et m'occuper de vous. Tu m'avais dit que tu voulais reposer aux côtés de maman. Ici, en dessous du tilleul. C'est le moins que je puisse faire pour toi. Thank you.
Non, non. Pourquoi ? À toi ? Ça n'était pas censé t'arriver, Bianca. Je vais retrouver les salauds qui t'ont fait ça. J'en fais le serment. Je vais garder ça en souvenir de toi, ma chérie. Dégage, la bête. Qu'est-ce qui se passe, Zbyshek? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire, planter des navets? Cette bête m'a attaqué. Ce cornio, c'est celui du boucher? Non? Et ce corps, c'est celui du boucher? Ouais, c'est lui. Bon, et quel est le rapport? Cette pauvre bête monte la garde devant son maître. Tu n'allais quand même pas lui faire les poches, si? Qu'est-ce que ça peut te faire? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu enterrer mes parents. Alors enterre-les et laisse-moi tranquille. Tu sais ce qui est arrivé à Thérèse, la fille du moulin? Lorsque je me suis enfui, les coups m'en voulaient. Ils voulaient la violer. Et Dieu sait quoi d'autre. Aucune idée. Qu'est-ce que ça peut me faire? Ils l'ont sûrement violée et tuée comme toutes les autres. Tant pis pour elle. Je dois d'abord penser à moi. Comment as-tu réussi à t'échapper? À ton avis, j'ai couru. Tu veux bien me prêter cette pelle? Je dois creuser une tombe et je n'en ai pas vu d'autre. Qu'est-ce qu'elle vaut à tes yeux? Je vois que tu as une belle épée. Je te l'échangerai volontiers contre ma pelle. D'ailleurs, où l'as-tu trouvée? Très bien. Donne-moi ta pelle et tu pourras prendre mon épée directement dans le cul. Tu crois pouvoir me parler sur ce ton juste parce que tu as une épée? Baliverne. Je n'y connais pas grand-chose en combat à l'épée. Tant mieux. Je vais te casser les dents, alors. Donc, pitié! Ah!
C'est ça! Prends tes jambes à ton cou! Fumier! Doud, tu me connais. Et ton brave maître n'en aura plus besoin. C'est un bon endroit. Tu vas te plaire ici. Il va falloir s'y mettre. Merde. Comment est-ce que je vais faire ? Tu as besoin d'aide ? C'est bien lui ? Oui. Vous ne voyez pas l'épée ? Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Zbyszek ? À ton avis, qui on est ? Des frères franciscains ? On va te voler tout ce que tu as. Et surtout cette jolie épée qui ne sera d'aucune utilité pour un paysan de ton espèce. N'y songez même pas. C'est l'épée de mon père. C'est de lui que tu parles ? Je dirais bien qu'il n'en aura plus besoin. Écoute, petit. Tu vas me donner cette épée, et je te laisserai peut-être partir. Sinon, t'es bon pour ta dernière réunion de famille. Laissez-moi tranquille. Tue-le, le ingrat ! Ouais. Fais-lui la peau. À ta guise. Ça aurait pu te coûter quelques dents.
faire de l'or. Fais-lui la peau. Je t'avais dit comment ça allait se finir. T'aurais dû m'écouter. C'est du bel ouvrage. Le chef va vraiment l'adorer. Elle est neuve, non? Et maintenant, inaugurons-la par le sang. Je parie que ton père n'avait jamais imaginé que ce serait le tien. Je crois qu'il faut dire quelque chose dans ces moments-là. Ton vieux doit le savoir. Moi, je suis juste un tueur. T'as aidé à sa confection? Sans aucun doute. C'est vraiment dommage. Mourir par l'épée que t'as en partie forgée. Hé, hey, les minables! La fête est finie. Szarás. És pont mikor kedvem lenne valakiből kiverni a lelket. No!
As-tu besoin d'aide ? On a du travail. Réveille-toi, Henri. Il fait déjà jour. Henri, tu m'entends ? Debout, Henri. Réveille-toi. Il fait jour. Henri, tu m'entends ? Alléluia. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Tu faisais un cauchemar. Thérèse ? Tu as encore de la fièvre. Mon oncle ne va pas aimer, mais tu dois encore rester au lit. Où suis-je ? Ascalis ? On est au moulin de mon oncle, Araté. Je ne savais pas où aller. Que s'est-il passé ? Tu ne te souviens de rien ? Ce n'est pas étonnant. Je t'ai retrouvé à Ascalis après que ces voyous t'ont attaqué. J'ai bien cru qu'ils t'avaient eu, mais tu respirais encore. Mais pourquoi diable es-tu retourné là-bas ? C'est de la folie. Ils ont tué tous ceux qui ne se sont pas enfuis. Mes parents, je voulais les enterrer. Il le fallait. Ne t'en fais pas. Je m'en suis chargée. Merci. Tout bon chrétien en aurait fait autant. Maintenant, dors. Tu dois reprendre tes forces. Tu es réveillé ? Bonjour. Il est presque minuit. Tu as dormi toute la journée. Oh ! J'ai l'impression d'être passé sous un cheval. La rosée que tu as prise était pire encore. Mais la fièvre est retombée. Comment as-tu réussi à me secourir ? Tu as eu de la chance. J'étais à Ascalis et j'ai vu Zbyshek avec ses gros bras. J'ai essayé de détourner leur attention, mais ça n'aurait servi à rien si ces soldats de Thalmberg n'étaient pas arrivés. Ils te cherchaient et ont dispersé les brigands. Que diable faisais-tu donc à Ascalis ? J'attendais la mort. Quoi ? Ils ont tué mes frères, ma famille, mes amis. Ils sont tous morts ? Sans exception, tous ceux qui m'étaient chers, ils ont tué l'un de mes frères dans les mines. Après ça, à quoi bon continuer à vivre ? Ne dis pas ça. Il y a toujours de l'espoir. Non, c'est faux. Mais peu importe. Je suis une toute autre personne, désormais. Ils étaient à ma recherche ? Ouais. Le seigneur Divish les a envoyés, menés par le capitaine Robard. Mais dis-moi... Pourquoi un seigneur s'intéresse-t-il à un forgeron ? Le seigneur Divish a promis à Radzik de veiller sur moi. Mais pourquoi ? Je n'en ai aucune idée. Oh, je suis épuisé. Ça ne me surprend guère. Je vais t'apporter à boire et à manger. En attendant, repose-toi, tu es encore faible. Bien le bonjour. Comment va l'infirme aujourd'hui ? Je ne me suis pas senti aussi bien depuis le jour où on m'a fouetté et écartelé sur la place publique. Si tu as retrouvé ton sens de l'humour, c'est que ça va mieux. Mon oncle sera ravi de l'apprendre. J'ai eu grand mal à le persuader de te loger ici. Si tu étais resté à l'ité plus longtemps, il t'aurait vraiment jeté sur la place publique. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu trouves un endroit où aller. Mais mon oncle va vouloir que tu payes l'hébergement et les soins. Et nous sommes chez ton oncle ? Au moulin de Raté. Mon oncle est le meunier Péchec. Il m'a accueilli et je l'ai convaincu de prendre soin de toi. Je suis resté allongé assez longtemps. Mon oncle sera ravi d'avoir une bouche en moins à nourrir. Mais tu es sûr que tu te sens bien ? Assez pour ce que j'ai à faire. Où puis-je trouver le seigneur Radzig ? Il a été invité au château inférieur de Pirkstein par le seigneur Anouche de l'Epa.
Mais je doute que quelqu'un de ton rang puisse y entrer et exiger une audience. Je connais le seigneur Hadzig, et je ne lui ai pas livré son épée comme convenu. Je dois le voir. Si tu insistes, mais tu devrais d'abord parler à mon oncle. Tu es resté alité plus de 15 jours, et c'est lui qui a payé l'apothicaire pour les soins et les remèdes. Tu lui dois une coquette somme d'argent. Ça fait 2 semaines que je suis ici? Mon Dieu! Mieux vaut passer 15 jours au lit qu'une éternité dans la tombe. Sans mon oncle, tu ne serais plus parmi nous. Je vous dois la vie à tous les deux. Et je rembourserai ma dette. Tu as ma parole. Très bien. Mais avant d'aller en ville, tu devrais manger un peu. Tu es encore faible. Il y a de la nourriture sur la table.